Alors que vous êtes à proximité de la planque de Thompson, le soleil est en train de se coucher. Vous voyez qu'à une centaine de mètres de la planque, vous voyez la voiture de Thompson. D'accord. À une centaine de mètres. Mais pas de trace de lui. Pas de trace de lui, donc... Est-ce que la portière est ouverte? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir eu quelque chose? La portière est fermée. Est-ce que le moteur est chaud? Le moteur est en train de refroidir, tranquillement. Il a bien tiédi, là. Oui, donc il est arrivé un petit moment, déjà. Que... Ouais. Ouais. C'est pas bouillant, hein, mais... Voilà, mais... Bon, on va se diriger vers la planque. Bah ouais, tranquillement. Bah, on regarde quand même autour, voir s'il n'y a pas quand même quelque chose de louche. Il est garé de manière assez ostentatoire, ou alors il est un petit peu planqué Il est dans une petite ruelle, très loin, ouais. Une petite rue. Il est là... Un petit chemin de terre même, carrément. Il est là plutôt que prévu, non? Il vous avait pas dit deux jours, votre ami? Ouais, bah peut-être que justement... Jours, ouais. Il a peut-être... voilà. Il a l'air... Il est peut-être inquiet pour quelque chose. Ou est-ce qu'il y a du sang dans la voiture? Chose. Non, non, mais il passait peut-être nous donner des médocs ou des choses comme ça, si. Pas de traces de sang dans la voiture. Ok, bon bah, on file à... Filer juste à l'entrée de la planque. Ouais, on file à l'abri. Tous ensemble là... La question de deux personnes en éclaireur. Je prépare mon arme. Okay. Moi, je suggère qu'on envoie les plus discrets en premier. Histoire de pas faire un brouhaha innommable. Bah, moi je suis assez discret. Voilà. Rick est très discret, c'est un homme discret, n'est-ce pas? Tu vas tout seul? Ou tu demandes à l'un de tes collègues? Bah, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner éventuellement pour couvrir mes arrières? Je viens, j'ai une arme, je viens. Henri et Eric, vous allez en première ligne. On peut toujours compter sur lui, de toute façon. Vous arrivez à proximité, vous voyez que la chaîne qui habituellement retient la porte de la planque est absente. Il n'y a pas de verrou, il y a juste un cadenas en fait qui retient habituellement avec une chaîne l'entrée. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. D'accord. Bah, il est peut-être la dernière fois, vous l'aviez retiré à l'intérieur pour verrouiller une fois rentré. Est-ce qu'on l'avait remis en partant? Oui, effectivement. On l'avait remis à l'extérieur. Oui. Oui, on l'avait remis à l'extérieur, forcément. Je rentre en premier. En premier. D'accord. Je me sens pas. Tu mets la main sur la poignée. Tu fais comment? Alors, pour l'ouvrir. La main sur la poignée et avec la porte. Du coup, tu vois, il y a la porte qui est là sur le côté. Je fais comme ça. Okay. Enfin, c'est une porte coulissante ou une porte? Oui, c'est une porte coulissante. Bah voilà, bah je fais. Très bien. Donc tu fais signe à Henri. À 3. 3. C'est ferme. C'est fermé, la porte est fermée de l'intérieur. De l'intérieur. Donc t'entends la chaîne de l'autre côté qui tape un peu contre la porte. Ouais. Je me mets à couvert. T'as l'impression d'entendre des bruits derrière qui se rapprochent. Se rapprochent assez vite. T'entends une présence qui vient de se caler juste derrière la porte. Ouah, bah ça. Il y a de fortes chances que ce soit Thompson quand même. Il y a que lui qui est au courant. Donc, il avait mis en place un code au niveau du toquage de porte pour quand il reviendrait la prochaine fois. Donc, tu vas me faire un jet d'intelligence, cher Rick. Je te mets pas de malus, je suis sympa. Je te mets pas de malus, tu es à 65%. Oh vache. Fais rappel à ta mémoire. Impeccable. Voilà, allez, bim, vas-y, qu'est-ce que t'as? Ça marche. Donc tu te rappelles effectivement le code, donc tu tapes un certain code. Et là, t'entends la chaîne qui se défait derrière. Bon, bah c'est bon. Et tu vois la porte qui s'entrouvre légèrement, tu vois Thompson. Il a pas l'air blessé, il a pas l'air paniqué, mais il a l'air méfiant. Toi qui te regardes, comme ça, il regarde, il y a Henri. Bon, vous êtes tous là, là. On a un petit problème.
Oh non, comme si on en avait pas assez. On a l'habitude. Voilà. Allons-y, un en plus d'être se faire tirer dessus, être soupçonné d'avoir fait quelqu'un. Vous rentrez que tous les deux ou tu fais le. Non, je fais signe okay. Parce que je pense que les autres sont restés en arrière. Je leur dis c'est bon, c'est safe, on peut y aller. Vous voyez au milieu de la pièce un jeune homme qui est bâillonné, attaché, à genoux. On t'a interrompu, Thompson. Vous voyez, c'est vraiment un jeune homme, hein. Ça devait être un ado. Un ado, carrément. Bon, ça on a un petit problème, dans le sens où, a priori, ce gamin, il en sait un peu plus que prévu. J'étais en planque près du journal de Janson. Enfin, voir s'il y avait peut-être une piste, un de vos poursuivants, à la rigueur, qui aurait pu mener jusqu'à leur repère, ou je sais pas. Il y avait juste un jeune homme qui avait demandé à parler avec Henri, et puis j'ai laissé un peu passer le truc. Puis j'ai décidé d'aller faire du repérage au niveau de votre appartement, Rick. Et figurez-vous que ce gamin était là aussi. C'est pas une coïncidence. Ah, le petit filou. Tu vois qu'il lui met un petit coup de genou dans l'épaule au gamin, qui tombe sur le côté. Et comment il s'appelle ? Il est un petit peu nerveux quand même, hein ? Il a un prénom, le petit ? Apparemment, il s'appellerait Tommy. Tommy Harrison, il s'appellerait. Tommy Harrison. Bon, après, je lui ai pas laissé le temps de parler, je lui ai foutu une mandale et je l'ai foutu dans le coffre. Vous avez bien fait. Je me retourne vers mes camarades et je leur demande est-ce qu'on essaye la technique du gentil et du méchant flic? Bon, moi je peux sortir mes outils médicaux pour les moi, faire un petit peu moi je peux être la très gentille bibliothécaire. Bah t'es la femme, tu peux faire la figure maternelle. Voilà. Oh pauvre chou, mais comment vous l'avez abîmé? Regardez-moi ça. Donc tu vois qu'il a un baillon dans la bouche, tu vois qu'il y a un bandeau sur les yeux, carrément. Ça va pas, non? Vous lui avez donné de l'eau, au moins? Alors, personnellement, c'est vrai qu'on a quand même passé une semaine de merde. On va pas se le cacher. Hein. Donc là, il y a Maggie qui est en train de faire « Oh, il a pas bu, voilà, il a pas sa petite flotte et tout ça. » Je lui fous une baigne. À Maggie ? À Maggie ? Mais non, pas à Maggie, je lui fous une baigne. Non, je fous une baigne au gamin. Je fous une baigne au gamin. Tu fous une baigne au gamin, ok. Donc il est au sol, Mais ça va pas, la petite tarte. Attends. Vous l'entendez en train de gémir ? Vous êtes complètement malade ! On n'a pas le temps pour ces conneries. Mais on laisse pas de traces ? Vous voyez une trace, là, sur son visage ? Bah oui, quand même, il a un gros bleu, là. Oui, mais ça, c'est pas. Le bleu, il va pas apparaître tout de suite une fois que je l'ai frappé. Voilà, ça va mettre du temps à arriver. Donc là, on a au moins un ou deux jours de marge. Donc c'est-à-dire que si je le tabasse là, maintenant, là, que je lui fais un petit peu mal, voilà, qu'il souffre un petit peu, voilà. Il faut quand même qu'il y ait de la douleur. Non, mais quitte à ce que ce soit vraiment douloureux, on peut aller chercher les outils. Non, mais voilà, ça ne marquera qu'au bout de quelques heures. Bon, voilà, d'accord. D'ailleurs, Walter, voilà. Non, ne m'embarquez pas dans vos histoires. Non, mais. Benson, ça fait combien de temps que vous l'avez avec vous, ce gars-là? Assumez vos actes et puis. Rick, ah, ça doit faire une bonne heure. On n'avait pas une batterie de voiture qui traînait des coups. Non, mais vous en faites pas, j'ai 2-3 skates. Non, parce que ça, je prends mes doutes. Théo, un petit mot peut-être par rapport à ce qui se passe C'est-à-dire que je suis un peu horrifié de ce que j'entends. C'est pas Walter, ça. À un moment donné, je blague. Walter, je vous demande pas de participer, évidemment, mais par contre, si vous pouvez me prêter quelques-uns de vos outils, si notre camarade est un petit peu réticent à parler, hein. Bah écoutez, même elle a été là, je ne la regarde pas, je ne vois pas. Donc, à la mention effectivement des outils que tu demandes à Walter, tu vois le gamin qui est en train de gigoter au sol, qui est en train de se faire la malle en rampant. On va peut-être essayer déjà juste de lui parler. Voilà, reviens là. C'est vrai, c'est que ici on a un médecin, il a une trousse avec des scalpels et tout ça, enfin vous voyez, les trucs qui coupent un petit peu, quoi. Voilà, hein, donc on va pas perdre notre temps. Vous allez nous dire. C'est-à-dire que peut-être. J'espère que quand Rick l'arrête dans son mouvement de reptation, il appuie bien le pied sur le creux du genou pour le cliquer au sol.
Ah non, sur les couilles. Ah, oh, elles sont en dessous normalement. Alors je précise, il a toujours son baillon dans la bouche. Hein. Pour le moment, il ne peut pas répondre à vos questions. Ah, mais c'est pas grave. Là, qu'est-ce que j'ai fait de Mike Stryhard? Voyons. Il est à plat ventre ou il est à plat dos, le gamin? Il est sur le côté. Il est sur le côté, il a les mains dans le dos. Bah, c'est le coup de presse de départ. Voilà. Il est pied attaché également. On peut peut-être déjà lui retirer le baillon et bandeau et essayer de lui parler. Juste le baillon d'abord. Voilà. Ok, j'y retire le baillon. Vous me laisserez enfin mettre feu. Tu le remets à genoux, ok. Je le relève assis sur le cul et on lui enlève son baillon. Et puis. Okay. Tu lui enlèves le baillon, Rick. Autre chose. Ouais, je lui enlève le baillon. Ok. Donc, tu vois qu'au moment où tu commences à le prendre un peu, à le manipuler, il essaye de se défendre un peu. Il a eu peut-être un peu peur par rapport aux idées que vous avez eues. Du coup, au moment où tu lui enlèves le baillon, il se met directement à brailler. Je suis là de la part de Moriarty. Bah ouais, il y a pas besoin, bah voilà. Il parle tout de suite. Et bah voilà. Et bah voilà, tu vois, quand il est efficace. Voilà. Alors, Moriarty. Alors, dis-moi. Comment ça s'est Je viens de sa part, si je l'ai vu il y a quelques semaines, il m'a dit que si j'avais pas de nouvelles de lui, je devais venir vers l'un de vous pour vous donner des nouvelles, mais c'est des infos, mais c'est tout ce que je sais pour le moment. J'ai rien à voir avec ce qui vous arrive. Il se met directement à table, lui il a a priori rien à cacher, qui vient effectivement de la part de ton père, du coup, Rick. A priori, il viendrait, du coup, en tant qu'informateur. Ouais. Vers vous. Je suis venu parce que Moriarty m'a dit de vous contacter si jamais j'avais pas de nouvelles de lui d'ici un certain temps, et du coup, j'ai essayé de vous retrouver au journal, et puis après à votre appartement, monsieur Jenkins, mais je suis une sorte de taupe pour Moriarty. Tu vois qu'il est su à grosses gouttes, il transpire, il a un peu de mal à parler, il a pas l'habitude d'être chahuté à soi. Il serait taupe au sein d'un réseau clandestin de trafiquants. Du coup, James l'aurait placé là-bas afin de justement d'avoir une source fiable au sein de ce dit réseau. Ce réseau qui serait en lien avec l'ordre, qui serait du coup un réseau de transport, de trafic, pour tout et n'importe quoi, a priori, à Boston. Bah voilà, donc on a intégré le réseau. Donc lui, il est là-bas en tant que passeur de matériel, enfin de matos, etc. Il donne des infos, il surveille l'arrivée de flics, etc. Comme pour un réseau classique de clandestins. Donc, transport de marchandises, mais de personnes aussi? Oui, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. D'accord. Vous auriez transporté une jeune Anglaise? Une jeune Anglaise? Plutôt mignonne? Non, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Question, c'est-à-dire dis-moi. Que si on veut quitter le pays, on pourrait. Grâce au réseau. Tu nous as espionné, suivi pour le compte de Moriarty ces derniers temps ou pas? Non, je devais juste vous retrouver si j'avais pas de ces nouvelles d'ici quelques semaines. Aurait arrangé. Et du coup, vous avez des nouvelles de lui, ça fait un petit moment, donc... Il est mort. Voilà. Il est au repos. Voilà. Éternel. Donc tu vois que le gamin, il commence un peu à être assez triste, tu vois qu'il verse une petite larme, mais il pleure pas, mais il verse une larme. Voilà. A priori, Moriarty aurait été un peu comme un père adoptif pour lui. Il l'a... Non, mais il l'a beaucoup soutenu il y a un an, suite à un drame que Tommy a vécu. Il a plus perdu son père que toi, Rick. ouais, clairement. Bah moi je suis un petit peu énervé parce que du coup toi t'as pas eu de père deux fois. Voilà deux fois déjà. Voilà quand même deux fois. En vrai, j'ai tellement envie de lui en foutre une, mais là, du coup, tu sais, je me retiens. Du ouais, coup, tu fais bien. Mais clairement, je peux pas lui parler parce que moi, je suis trop impliqué émotionnellement. Ça marche. Par rapport à Moriarty. Ça passe. Donc, je peux pas. Si je commence à parler, je vais forcément m'emporter et dire n'importe quoi. Donc, je vous laisse lui parler. Je me place stratégiquement entre Rick et Timmy. Enfin, Tommy. Pour être sûr que Rick ne lui foute pas des beignes pour rien. D'accord. Alors que c'est moi qui veux le faire. Très bien. Allez-y, je vais pas. Je pense que Théo serait pas mal en tant que prêtre pour lui soutirer les vers du nez. Il a l'habitude de confesser les gens. Vous pouvez me détacher maintenant, peut-être
Oh, putain, oh, t'es mignon, Tommy. Mais non. Tu vois qu'il... Oh. On va attendre d'avoir confiance pour ça. Non, parce que tu vois, on n'a pas confiance en toi. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, du coup, de sa part? A priori, l'ordre aurait prévu... Alors, ça vient d'en haut, hein, mais j'ai pas, moi, j'ai pas les infos en tant que tel. Ça vient du patron. Comme quoi, l'ordre aurait besoin d'une sorte de vieille relique, un artefact ou je sais pas quoi, qui serait en France actuellement. A priori, l'ordre a prévu de filer, enfin d'envoyer des agents en France pour récupérer l'artefact, et du coup, c'est l'info que je devais en gros donner à James. D'accord. Ils vont partir quand ? Où en France ? Bah, à Paris. C'est un peu grand Paris, il va falloir nous aider un peu plus que ça. Je sais juste qu'il y a une vente aux enchères qui est prévue là-bas, et du coup, ils ont prévu de récupérer l'artefact sur place. La vente est a priori prévue pour dans 2 semaines. Voilà. Je vous donne toutes les infos, je vous montre bien que je suis du même temps que vous. Hein. C'est... T'es obligé. Oui, pour l'instant, tu nous montres surtout que tu veux sauver ta peau. Bah, évidemment. Mais toi qui commences encore à pleurer un petit peu. Oh, ça va, garde tes larmes pour ta mère si t'en as une. Il n'y avait pas. Non, mais mes parents sont morts quand j'étais bébé. C'est ma sœur qui m'a élevé avant qu'elle se fasse assassiner. On va pleurer. Tu vois Rick là ? Ses parents ont été assassinés. Son père, qui était même pas son père mais qui était son père, a été assassiné. Sa cousine s'est fait posséder par un chaman et en plus il l'a niqué. Alors s'il te plaît. Hein. Tout est vrai. Sauf la dernière info, je tiens à le dire, parce que là elle est en train de faire tout un film et tout ça. Voilà. Non. Bon, on a tous perdu plein de gens. Voilà. Je suis au courant, c'est pour ça que James m'a recruté, c'est parce que ma sœur a été assassinée par l'ordre. Ah. Et a priori, vous auriez enquêté dessus. Tu y trouves un intérêt aussi de ton côté. D'accord, très bien. Ok, du coup, c'est un peu plus crédible. Vous avez fait l'enquête sur la mort de sa sœur ? Lauren Harrison, une des victimes de Vayne. Ah, Lauren Harrison, c'était pas une des infirmières ? C'était la quatrième victime. Attends, c'était laquelle ? Elle a été retrouvée pendant que vous étiez en train d'enquêter dessus. Effectivement. C'était celle dans le hangar, ouais. Elle est morte comment ? Oh, une histoire de bébé. De ventre. Donc voilà, elle a été éventrée pour récupérer un bébé qui a servi pour essayer de faire une sorte de d'armée de super mutants soldats dégueulasses dans des cuves un petit peu, voilà. Ah, je comprends qu'il y en veuille à l'ordre. Oui, c'est pour ça que là, du coup, c'était notre première enquête tous ensemble, et oui, je comprends qu'il soit un petit peu en colère envers cette organisation. On peut peut-être donc lui faire un peu confiance. Bah là, de ce que j'entends, moi personnellement, je suis prêt à lui, à desserrer les liens. Il a l'air de bonne foi, ce jeune homme. Oui, mais après, maintenant, du coup, oui. Les agents qui vont être envoyés en France, ils sont déjà partis ? Bah, ils ont déjà un groupe sur place, a priori, mais ils ont prévu d'attaquer, enfin de dérober en tout cas l'artefact au moment de la vente aux enchères. Ah cool, ça veut dire qu'on va devoir dérober avant eux. Tout à fait, on va devoir trouver l'artefact avant eux. Donc il n'y a pas d'agent en partance, on est d'accord. C'est Pas que je sache, mais après ils ont peut-être des agents aux États-Unis qui vont apporter un soutien, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Normalement ils ont déjà quelqu'un sur place. Et dis Tommy, tu dois avoir des contacts dans la rue pour nous procurer des faux papiers, des billets, ce genre de choses. Ça oui, je peux éventuellement trouver quelque chose. Ouais. Parfait. On va peut-être desserrer un peu les liens et te donner un verre d'eau. Ah, vous êtes bien aimable. Et toi qui se frotte les côtes un peu comme ça. Ah, oh, aïe, aïe. Tant que c'est que les côtes. Ouais. Un petit antidouleur pour faire passer ? Ah, je veux bien ça. Qui est son contact justement à joindre pour passer justement donc la frontière, on va dire, pour aller éventuellement en France ?
Donc j'imagine que c'est soit par la mer, c'est forcément par la mer, parce que les avions en transatlantique, c'est peut-être un petit peu chaud et moins discret. Ça va être, oui, effectivement, ça va être un peu délicat. Là, du coup, à force d'en parler, Tommy aurait l'idée de vous faire passer via un bateau de cargaison, un paquebot de marchandises, du coup, qui serait en partance pour la France dans un jour ou deux. J'ai peut-être moyen de vous faufiler en douce dans le, de faire faufiler en douce dans le paquebot, et puis bon, ça va pas être des joueurs hyper bien lotis, mais c'est tout ce que je peux vous donner pour le moment, hein. En plus vous êtes en cavale, donc d'accord. Est-ce que quelqu'un a des contacts en France? Je dois avoir ça, effectivement. Janson a des contacts en France vu qu'il est français. Alors a priori, ce serait un paquebot qui à la base ferait le trajet le long des côtes africaines. Donc là, il a fait le trajet exceptionnellement les États-Unis. Donc là, il va revenir en France et il va redescendre la côte ensuite à la côte africaine. Donc il fait escale en France a priori, selon les mémoires de ce cher Tommy, il ferait escale à Brest. Oh, incroyable. Incroyable. Donc il est ce jeune homme, il est infiltré dans l'ordre, on est d'accord. Il a des contacts avec l'ordre. C'est avec le réseau clandestin collabore en grande partie avec l'ordre. Mm-hmm. C'est l'ordre qui les finance un peu, mais après ils sont en quelque sorte aussi un peu indépendants de leur côté. D'accord, mais est-ce qu'il a eu... On va dire que l'ordre est leur principal client, si tu préfères. D'accord, ce qui veut dire qu'il a probablement peut-être déjà vu ou des responsables de l'ordre, rencontré des responsables de son réseau à lui, ou des trucs comme ça. Il a peut-être été témoin de choses comme ça. Effectivement. Est-ce que je peux lui faire un dessin rapide du symbole qu'on cherchait et lui demander s'il l'a déjà croisé, ou s'il avait déjà vu des gens qui l'arboraient d'une façon ou d'une autre? Très bien, très très bien. Donc tu lui tends le... l'image de... enfin, la photo ou... non, l'image, du coup, du symbole. Je vais faire un jet ouvert d'intelligence, afin de savoir si ce cher Tommy se souvient avoir vu cette bague. Donc, effectivement, ce symbole, il s'en souvient très bien, parce que, du coup, il l'a déjà rapporté à James. Ce symbole aurait été vu sur une chevalière, portée par un homme... un français, a priori. Et pas son nom. Du coup, c'était qui déjà? L'ordre, en fait, à chaque fois qu'ils envoient des contacts en lien avec le trafic de clandestin, il y a toujours une absence totale d'infos sur les personnes qui arrivent, qui arrivent avec eux. D'accord. Mais a priori, il a reconnu un accent français. Où est-ce qu'il pourrait nous le décrire, ce mec? Il avait un chapeau melon. Il avait une sorte de petite moustache, voilà, taille moyenne, il avait peut-être 40-45 ans. Vous allez me faire un jet, tous sauf Théo, un jet d'intelligence. Avec un malus de 10, ça reste correct. Je suis un détective. Je suis un docteur. Je suis bibliothécaire. Je suis bibliothèque. Et donc il y a que Maggie qui n'arrive pas à faire tourner ses méninges. Vu la description très sommaire de la personne, ça vous rappelle quelqu'un que vous n'avez pas entendu parler mais que vous avez vu dans la grotte, qui se tenait derrière le grand maître au moment de l'incantation pour réanimer Talcha. Vous avez vu un petit homme en noir avec un chapeau melon et une moustache. Ah oui, oui. Donc voilà, un homme de cette description en lien avec l'ordre. Il y a que cet homme-là qui vous vient à l'esprit. Ouais. Petit donc, chapeau melon et la moustache. Pas moi. Non, toi tu te rappelles pas l'avoir vu. Toi, t'étais à fond sur Kumar à l'époque. Ouais, moi j'étais sur Kumar tellement j'étais énervé. En même temps. Le petit malotru. Kumar qui, je rappelle, a réussi à s'enfuir. Hein. Oui, bah oui, mais j'ai blessé son frère, je m'en fous. Ah, oui, son frère par contre est décédé. De mort. De mort naturelle. De mort létale.
si j'avais pu. Mais non, mais Kumar, c'est pas grave. Et reculer pour mieux sauter. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Est-ce qu'on aura un mois de la flotte pour tenir quand même? Ouais, il va avec Thompson, ils vont s'arranger pour pouvoir vous rationner pour le trajet. Parce qu'à la traversée en bateau, on en a pour des semaines. Tommy, via l'aide de Thompson, on va pouvoir un peu soudoyer l'un des marins ou le capitaine du bateau pour pouvoir vous apporter de quoi tenir pendant le trajet. Sustantif. Un trajet qui devrait durer, comme je vous le rappelle, traversée à cette époque, dure au moins 2 semaines. Voilà, c'est ça, super. Donc on va arriver pile poil. Vous allez arriver, aux enchères. La veille. Quelques jours avant, peut-être 2-3 jours avant, en max, quoi. Ouais, parce que pour aller de Brest à Paris... À l'époque, en une nuit de route, ça se fait. Hein. Une autre question aussi, une fois qu'on arrivera justement en terre française, est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait contacter de son réseau qui pourraient nous donner des informations, des contacts, des planques ou quoi que ce soit Il va essayer de vous trouver un contact, effectivement, à l'arrivée. Ouais, pour la veille avant de partir. Si Henri a quelqu'un qui... Si vous contactez Alpha Green, base en France, j'imagine que c'est dead. Bah là, clairement, oui. C'est pour ça qu'on peut se confier qu'au réseau alternatif ou familiaux, notamment ce cher Henri Janson. Ils sont morts. On peut vraiment avoir confiance. On n'a pas de famille, nous, vivants. Alors, Henri, tes parents sont toujours en vie. Ils vivent toujours à Brest, d'ailleurs. Donc tu vas pouvoir rentrer à la maison. Non. Je veux pas les mettre en danger, je vais éviter de les approcher. Ouais, eh bien, c'est pas mal tout ça, mais il est quelle heure maintenant? Là, c'est la fin de journée, le soleil vient de se coucher. Parce qu'on va peut-être devoir un peu se sustenter, se reposer. Ouais, ce serait pas mal. Là, la priorité du coup pour Tommy et Thompson, ça va être de vous envoyer sans les docks pour pouvoir vous préparer pour le voyage. D'accord. On part maintenant, là, tout de suite? À la rigueur, demain à l'aube, a priori pour Tommy. Lui, il va partir là. Hein. Thompson va le ramener en ville. Et du coup, il va pouvoir gérer déjà toute la partie administrative et puis logistique. Et puis, pareil pour Thompson. Partie administrative. Histoire de vous faire des faux papiers français. 5 clandestins. Je peux pas m'arranger avec choper des contacts, puisque je suis prêtre catholique, donc est-ce que je peux pas m'arranger avec l'évêché pour les faire passer pour un petit voyage œcuménique ou un truc comme ça? J'espérais que tu t'aies l'idée. Très bien. Et faire en sorte de leur choper une planque et on se déguise en très arrivant. Très bien, et parfait, une petite congrégation de prêtres et de bonnes sœurs. Ah là là, qu'est-ce qu'on va se marrer. Oh non. Oh, c'est génial. J'adore. C'est la plus mignonne des petites fêtes. Putain, mais ça va être... En fait, on est en train de faire un remake de Sister Act. De code. Voilà, vous avez plusieurs stratégies possibles pour pouvoir vous installer le temps de les enchères du coup en France, soit un réseau clandestin, soit les contacts de Théo, soit d'autres contacts que vous pourriez avoir sur place, les proches ou autres. Oh bah c'est bien déjà. Voilà. C'est cool. Direction la France.